Hey, salut à toutes et à tous, c'est Namazu, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, Imhotep. J'ai attrapé une petite grippe des familles, j'en sors tout juste. Donc si vous m'entendez un petit peu parler hein, du nez comme on dit, c'est normal. Hein, si je parle plus bizarrement que d'habitude, c'est tout à fait normal. Donc alors, ça fait un petit moment, ça doit faire une semaine et demie, je pense qu'il n'y a pas eu de Spyro sur la chaîne, mon dieu. Rien ne va plus. Du coup, aujourd'hui, on va reprendre, évidemment. Et on va essayer de se faire un petit niveau. Mais juste avant, je veux attraper ce fucking voleur. Et voilà. Donc, je sais pas si vous ne vous souvenez, mais dans les épisodes précédents, j'ai galéré à choper cet œuf, alors qu'il suffit juste de se ramener en scred par le petit coin ici. Je monte mon écran du doigt, mais ça ne sert absolument à rien, puisque vous n'êtes pas avec moi. Mais c'est pas grave. Ah, excusez-moi. Ah, d'accord. Très bien. Donc j'ai toussé. Je sais pas si ça s'est entendu. J'ai toussé, et du coup, le joystick s'est dit, ah tiens, elle touche. Elle touche. Ouais, tout à fait. Non, elle tousse. Alors du coup, elle va tomber dans les néants. Tout à fait, non mais en fait j'ai dérapé sur ma manette, mais c'est pas grave, vous n'avez rien vu, rien entendu. Et aujourd'hui on va commencer, non, on va pas faire ce niveau en premier, tiens. Je cherche le niveau qu'on va se faire. On va faire celui-ci, pourquoi pas, Dry Canyon, let's go. Entrée dans Dry Canyon. Donc en tout cas j'espère que le let's play vous plaît. En tout cas voilà, moi c'est mon enfance, c'est ce que j'aime tout simplement. Bon, j'ai pas mal de fails, hein, je dois l'avouer, hein, vous le voyez de toute façon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est grâce aux fails qu'on grandit, voyez-vous. Oh non, il y a encore un... Oh non! Vous avez entendu le bruit? Je sais pas, attendez, je vais peut-être monter le son du jeu un peu plus fort, parce que j'ai l'impression de parler assez fort et qu'on n'entend pas le jeu. On va rajouter un de chaque côté, et ça me paraît plutôt bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas mal. On est un peu mieux dans l'ambiance. Dans l'ambiance, oui, tout à fait. Oui, je parle très mal aujourd'hui, comme d'habitude, hein, vous me direz. Mais j'ai du mal à former mes mots, puisque j'ai le nez qui se bouche en même temps que je parle. Je suis désolée. Alors du coup, aujourd'hui, on va peut-être pas se faire de niveau. Ah d'accord, bon, très bien. Bon, on va essayer de passer par l'autre côté. Je pense que c'est un peu plus facile, puisque... Oh bah regardez, on l'a eu, presque. Je pense que c'est plus facile à faire de ce côté-là, si on se prend pas d'autres ennemis sur le chemin. Hop là, allez, j'aimerais enchaîner avec la suite du niveau, s'il vous plaît. Ah, j'y suis presque, hein. Poil de fesses. Ah non, mais j'avais touché là, monsieur l'arbitre. Oh cagole. Ah oui, aujourd'hui je suis un peu excitée, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à Spyro, alors... Je suis toute émoustillée. Ça y est, on l'a eu. Yes. J'ai cru qu'on allait passer 10 minutes là-dessus. Ok, c'est bon, là. Nickel Gisèle, hein, comme je dirais. Du coup, là, on n'a rien oublié. Très bien. Donc aujourd'hui, je disais, on allait peut-être se faire un plus petit un seul niveau, je veux dire. Parce que, tout simplement, les niveaux sont beaucoup plus longs. Enfin, beaucoup plus longs. Un peu plus longs dans ce monde... Oh, regardez, on va regarder. Dans le monde des Pacifiques, voilà, j'ai totalement oublié le nom du monde. Les niveaux sont plus longs. Là, vous pouvez voir déjà qu'à Dry Canyon, donc dans le petit niveau que nous sommes, il y a 400 rubis, joyaux plutôt, à récupérer et 4 dragons. Ce qui est plutôt badass, hein, on doit se l'avouer. C'est pas un petit nombre. Ça, ce sont des cactus. On peut les brûler, mais ça ne sert à rien. C'est purement décoratif. Donc voilà, donc il y a des joyaux dissimulés un peu n'importe où dans le niveau. Ce niveau-là, il est un peu, voilà, un peu what the fuck. Les gens, ils se sont dit, tiens, on va en répartir partout, on va le faire aller dans tous les sens, chercher. En même temps, c'est ça qu'on aime dans les... En même temps, oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. En même temps, c'est ça qu'on aime dans les petits jeux de plateforme, ou grands jeux de plateforme. Donc on va tout de suite récupérer le dragon, je me tais. Tu as sauvé Conan. On dirait Dracofeu. Merci de m'avoir libéré.
Merci de m'avoir libéré. Oui, non, mais on dirait Dracaufeu celui-ci. En plus maigre, hein, quand même. Mais... Bon, je sais, ça n'a rien à voir. C'est pas grave. J'adore Pokémon. Les Pokémon. Hop là! Et ben regardez-moi ce skill, ce style, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, je suis motivée à fond. Hop, 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 ça dépote. J'ai envie qu'on se fasse ce petit let's play bien comme il faut. Hop là. Tac, ça c'est fait. Toi, l'oiseau qui pue, c'est fait. Enfin, qui pue, j'en sais rien, je l'ai pas senti. Oh, il avait un joyau de 25, pas mal. Et là, nous avons une petite vie. Donc, niveau vie, on est un peu en galère, hein, je dois vous l'avouer. Je suis la reine des fails, hein, comme on peut dire, on pourrait dire. Pas la reine des neiges, mais des fails. Lol. Tu as sauvé Boris. Dry Canyon récompense ceux qui savent voler. Tu es bien fort en vol, hein, Spiro? J'ai ça dans la peau. Il était balèze, ce dragon. Ils sont pas mal. Je les trouve bien faits, moi, ces dragons. Alors, il nous a dit que c'était un niveau de vol. Enfin, un niveau important au niveau du vol, parce qu'on peut accéder à cette petite partie-ci. Donc là, je fais le niveau un peu en désordre, hein, parce qu'il y a des joyaux disséminés, mais vraiment dans tous les coins de ce niveau. Il faut vraiment fouiller. Ah, d'accord, je suis tombée, c'est pas grave. Fail! Ah, je suis pas montée là-haut. Bah, on va monter là-haut. Hop là, ça passe. Ça passe ou ça casse. Et ça passe! Génial. Hop là, on va essayer d'arriver ici. Alors, j'espère que vous allez bien. Hop, j'ai dû déjà le dire au moins deux fois depuis le début, mais bon. C'est pas grave, hein. Mieux vaut deux fois qu'une, non? Non, ça se dit pas, bon d'accord, tant pis. Hop, tac. Si ça se dit. Moi, hein ouais, je sais pas, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis en vacances. J'espère que vous aussi. J'en profite pour vous sortir pas mal de petites vidéos sur Harvest Moon. Par la même occasion, j'avais vraiment envie de vous faire des vidéos sur Spyro. Même s'il y a moins de monde qui regarde Spyro. Moi, je m'en fous, j'adore Spyro. Donc... Je le fais pour ceux qui aiment. Tu as sauvé Ivor. C'est toi, Spiro? Tu es ce jeune dragon dont j'ai tant entendu parler. Lorsque tu n'étais encore qu'un petit cracheur de fumerole, nous savions... Quoi donc? Je ne me souviens plus. Les voix qu'ils leur ont fait sont totalement horribles. Les doublages en français sont pas beaux. Hein. Enfin, il y en a, ça passe, c'est plutôt marrant. Mais là, je dois avouer qu'ils ont un peu... abusé sur le personnage. Oui, parce qu'à la base, hein, j'ai déjà dû en parler. Mais Spyro, c'est pas français. Hein. Spyro, c'est typiquement japonais. Hop. Hop là, ok. Comme pratiquement tous les jeux hein, présents sur cette terre, hein, c'est du japonais. Made in Japan. Même s'il y a pas mal de jeux indépendants maintenant qui sont faits... que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui ne sont faits pas forcément par des japonais, mais par des petits développeurs bien sympathiques. Hop là, tac, tac, tac. Moi j'adore les jeux indés, perso. Je ne sais pas vous. Hop là. Il y a un jeu indé que j'aime beaucoup, je sais pas si vous connaissez, c'est Isaac. C'est un jeu super sympathique, peut-être que je ferai des vidéos dessus. On ne sait pas, on ne sait pas. Hop là, The Binding of Isaac. Si vous connaissez pas, franchement, c'est un petit jeu un peu what the fuck, en plus plutôt sympathique. Bon, faut aimer le style, hein, je l'avoue. Mais voilà. La parenthèse est close. Alors, hop, je vais éviter de vous tousser dans le micro. C'est pas très sympa, hein, je dois l'avouer. Hop là. Et du coup, ça fait déjà 10 minutes presque de vidéo. Waouh! Les niveaux vont largement, non, c'est pas le mot que je voulais dire. Mais c'est pas grave, je l'ai répété trois fois en plus, hein, faut le... Allez, faut prendre feu, madame. Voilà, c'est bon. Madame ou monsieur, je ne sais pas, ceci est une corbeille. Ok, alors on va se calmer. Oui, je me souviens de ce que je voulais dire, Alzheimer. Alors, je voulais vous dire que oui, les niveaux vont largement... Non, je réutilise le mot que je veux pas. Ouh! Ça ne va pas, rien ne va plus, la fièvre monte.
les niveaux s'allongent. Et ça va vraiment se voir. Hop là. Tac. On est déjà à 322. Si je compte bien. Ouais, 322 joyaux. Allez, ramasse. Merci. Ah, j'ai pas la clé. Ah, j'ai pas la clé. Mon dieu. Il va falloir qu'on vienne par ici. Ah, la musique vient de s'arrêter. Tiens, ça m'a fait bizarre. Ok. Bon, on va essayer de remonter pour la énième fois ici. Ok. Ok, ok. Hop, on va passer par ici. Hop. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je joue bien. Bon, mis à part le petit fail hein, qu'on a eu, évidemment, au début. Hein. Bon, voilà, hein, vous n'avez rien vu. Quand je suis tombée, là, dans le... Dans le... C'est même pas de l'eau, je sais pas ce que c'est, dans le... Oula, oula, oula. Je pouvais plus le maîtriser, la Spyro, pendant un instant. Ok, doucement. Ok. Ça va, j'ai pas trop fail aujourd'hui. Enfin, je dis ça, je vais pas... Je vais fail dans deux secondes. Excusez-moi. Hop, tac. Le commentary aujourd'hui est un petit peu hein, à revoir. Hop, tac, nickel. Est-ce que je fais tourner la caméra pour voir s'il n'y a pas un petit joyau? Non, c'est bon. Ok. Donc il faut qu'on trouve cette petite clé. Où est la clé? Please. Parce que, évidemment, je ne connais pas les niveaux par cœur, hein, je dois l'avouer. Là-haut, il y a un dragon et il y a la clé. Bon, bah voilà. Alors, comment on fait pour aller là-haut? On va essayer de passer par ici, mais ça ne passe pas, évidemment. Ok, c'est pas grave. Alors, par où est-ce que je passe, monsieur? Pas par ici. Ok, bon, bah on va devoir se retaper toute la route. Non, mais ça va, il y a juste à passer... Par ici, normalement. On peut y aller par ici? Bonne question. Écoutez, ça fait vachement longtemps que j'ai pas refait ce niveau. Je dois vous le dire. Comment je fais pour aller là-haut? Parce que d'ici, j'ai pas réussi, on est d'accord. C'est peut-être faisable, quand même. Si je prends un peu d'élan... Ok, ceci est un fail. Bon. Allez, Namazu, on se motive, on se motive. Hop, tac. On n'oublie pas de sauter ici. Hop, tac, nickel. Ok. Donc aujourd'hui, oui, on va sûrement se faire juste hein, ce niveau. Puisqu'il est assez long. Et en plus, j'ai un petit peu mal à la gorge. Et puis, je dis pas mal de bêtises. Donc voilà, beaucoup d'arguments pour pas faire un épisode trop long. Bon, est-ce que je vais y arriver, moi, à faire ça ou non? Ok, non, le jeu veut pas de moi. Bon, comment fais-je? Faut trouver une autre technique. Ça ne marche pas. Excusez-moi hein, pour les petits fails. Par ici, il n'y a rien. On va essayer de repasser par là-haut. Au pire, hein, je vais vous faire une ellipse hein, si c'est trop long. Ne vous en faites pas. Hop. Ok, donc si je passe par ici, j'arrive à la grande tour normalement. Ah non, ceci est un mur, Spyro. Ça fait mal à la tête quand on se cogne. Hop là. Le pauvre. Il prend tellement cher avec moi. Hop, tac. Ah, ceci est un autre mur. Le pauvre. J'aimerais pas être à la place de Spyro personnellement, parce que je lui fais tellement endurer de souffrance. Tellement de fail. Alors, est-ce que... Ok, d'accord. Spécialité, se prendre les murs. Et par ici, je peux pas. Hein. Ça me donne une petite impulsion, mais je peux pas du tout. Hein. Ok. Alors, attendez. Il faut réfléchir. Réfléchir n'est pas facile pour Namazu. Surtout en ce moment. Alors, attendez. Par là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on est allé voir par ici? Oui, par ici, il y a ça. Donc si je saute par ici, j'arrive... On va essayer. Si je saute ici, j'arrive ici. Et non,
je suis vulgairement... non, on va pas le dire, on va pas le dire. S'il vous plaît. Et si ça passe ? Oh, mais j'y croyais vraiment pas, là. Ah, il manquerait plus que je tombe. Vite, le dragon. Ouf ! Tu as sauvé Maximo. Je vais peut-être pas faire d'ellipse, en fait. Superbe vol, Spyro. J'ai cru que je n'arriverais pas à me débarrasser de ces vilains vautours. Ils sont assez repoussants, mais grillés à la flamme avec une petite pincée de sel, ils sont délicieux. Les énormes. Avec une petite pincée de sel, ils sont très très bons, ces petits vautours. C'est vrai. Bon, c'est vrai, j'en sais rien, j'ai mangé, jamais mangé personnellement de vautour hein, flambé, grillé. Ni même tout court d'ailleurs. C'est pas trop mon délire. Enfin bref. Je suppose que les dragons aiment bien ça. Non? Ok. Faut pas s'en faire, hein. En ce moment, je débloque un peu, hein. C'est la grippe, ça... Vous savez, ça attaque un peu les nerfs. N'importe quoi. Alors, c'est parti. On va récupérer le coffre qui nous manque et puis on va espérer que d'avoir tous les joyaux restants. Sinon, il va falloir chercher et ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Même si c'est un peu le but du jeu, mais c'est pas grave. Allez, hop, nickel Gisèle. Attention, gros suspense. Est-ce qu'on va avoir tous les joyaux? Réponse dans 2 secondes et demie. Si je ne me faille pas. Et normalement, non, ça passe nickel. Oui. On introduit la clé dans... C'est bizarre. Dans le coffre, hein, oui. Hop, tac. Attention, attention, est-ce qu'on a tout? Eh oui, on a les 400 joyaux sur 400. Et on va vérifier le reste. Et on a les 4 dragons sur 4. Et on a l'œuf. Eh bah, très bien. Est-ce qu'on peut quitter le niveau? Est-ce que si on quitte le niveau... Oui, ça marche. Ok, je voulais vérifier si on quitte un niveau comme ça manuellement au lieu de prendre la porte de sortie, hein, normalement. Est-ce que ça marche? Et ça marche très bien, vos joyaux sont sauvegardés. Oui, ça marche très bien. Eh bien écoutez, ça va faire un petit épisode, voilà, pour se remettre un peu dans le bain. On va se laisser ici. J'espère que cet épisode vous a plu, en tout cas, moi j'aime beaucoup Spyro, donc ça me fait kiffer. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans les commentaires, voilà, c'était très intéressant cette phrase. Et n'hésitez pas à faire péter les j'aime pour me faire savoir si vous aimez bien ou non ce petit let's play. Enfin bref, vous connaissez les bails, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais ça c'est si vous voulez, si vous le voulez. Si vous le voulez. Oui, j'ai réussi. Vite. Alors, on va arrêter cet épisode ici. J'espère qu'il vous a plu, en tout cas. Moi, je vous dis bye bye. Amusez-vous bien, c'est tout ce qui compte. Si vous êtes en vacances, bah écoutez, détendez-vous. Et puis, rendez-vous au prochain épisode. Bye bye.